Chers amis, bonjour. La page est tournée, la page lorientaise est tournée. Nouvelle copie, balle blanche et balle neuve, surtout pour ce nouveau rendez-vous au stade de la Mosson, le dernier de l'année. Et pas des moindres, puisque l'Olympique de Marseille nous rend visite. Des Marseillais, n'en doutez pas, qui ne viennent pas à la Mosson uniquement pour sucrer des fraises. La lecture du classement, vous allez très vite comprendre pourquoi. Car ils peuvent potentiellement se rapprocher des deux premières places, occupées par les Parisiens et les Lensois. Deux équipes qui, justement, vont s'affronter à l'instant du coup d'envoi de ce match MHSC-OM. De notre côté, dans un tout autre registre, notre situation s'est un petit peu et agréablement améliorée après le bon résultat obtenu à Lorient. Mais quand on y regarde de plus près, une fois de plus, on se rend compte que les deux équipes qui nous précèdent au classement, Reims et Clermont, vont se déplacer respectivement à Lille et à Lyon. Donc, ce match ne va pas compter pour du beurre, ni pour les Marseillais, ni pour les Montpelliérains. Galvanisés, vous le comprendrez aisément, sans plus fanfaronner, par le bon résultat obtenu à Lorient, sur lequel il va falloir surfer. Et surfer, ça signifie déjà s'inspirer de la prestation et donner autant d'engagement, autant d'agressivité dans le bon sens du terme, car il faudra bien donner cette réplique-là à une équipe, a priori sur le papier, indiscutablement presque supérieure à nous, comme l'étaient du reste les Lorientais avant le résultat que vous savez. Alors, les joueurs de Romain Pitot nous ont agréablement surpris au moustoir. Qu'est-ce qui nous interdit de penser qu'ils ne nous surprendront pas une fois de plus à la Mosson cette fois, en comptant en plus sur vos encouragements, car on sait que la Mosson sera copieusement garnie pour la venue des Marseillais, d'accord, mais pour la prestation pleine d'espoir de notre équipe. C'est lundi, à partir de 19h, on ne parle plus de nouveau départ, parce que ça, c'est consommé depuis la victoire à l'extérieur à Lorient, la deuxième de la saison, mais c'est à confirmer, et ma foi, quels meilleurs adversaires que les Marseillais pour en avoir confirmation ce lundi soir. À 19h, le coup d'envoi,